Bonjour à tous, allez, une toute petite vidéo. Et oui, je suis encore sur l'eau. Ici, dans les Ardennes françaises, tout près de Fumet, Revin, Rocroi, etc. Et je voulais venir sur ce lac magnifique. C'est le lac des Vieilles Forges, où vous pouvez venir faire un tas d'activités. Comme par exemple tout ce circuit... Tout ce circuit gonflable où il y a beaucoup de monde. Enfin, il y a plein de choses. On peut même louer des petits bungalows de vacances, etc. Il y a l'un ou l'autre camping-car sur la rive. Voilà, c'est vraiment parfait. On peut venir avec son embarcation sans aucun problème. Alors la vidéo penche parce que je penche la rame dans l'eau. Donc je suis seul dans le kayak pour le moment. Dame Sonia viendra avec moi après. Et franchement, c'est le pied. Là, il y a une plage. Il y a quand même pas mal de monde malgré que nous soyons en semaine. Je suis venu en voiture évidemment. Alors en voiture, je n'ai pas énormément de kilomètres moi pour venir ici. C'est 90 kilomètres, 90 kilomètres. C'est beaucoup de petites routes, donc il y a forcément pas une autoroute qui débarque ici. Donc voilà, c'est un petit peu long, 1h20-25 pour venir ici de là où j'étais. Mais franchement, quel pied. Là, le soleil maintenant est caché par les nuages, donc c'est parfait pour moi. Alors le fameux moteur ET8, l'assistance électrique pour ce kayak. Franchement. Quand on est seul, ça marche quand même mieux que quand on est à deux. Et alors ici, l'eau est vraiment très calme, donc c'est parfait. Vous voyez derrière moi mon fils Lionel. Capitaine Albator, c'est mon fils, ma bataille, comme qui dirait. Et nous partons à la recherche d'un trésor enfoui. Lionel, je ne sais pas où tu vas, mais il faut corriger la manœuvre, hein, là, tout de suite. Voilà. Il paraît que c'est celui qui est derrière qui est le capitaine. Il me semble que c'est ce qu'on dit. Bon, enfin voilà. Voilà, je fais un petit tour. C'est sa première apparition sur la chaîne, je pense. Voilà. La chair de ma chair. Ah oui, une fois t'avais filmé, mais donc t'étais derrière l'objectif. On m'a fait une remarque sur la vidéo précédente me disant que la qualité du son était médiocre. Oui, bah, en même temps, je crois que je l'ai signalé par un petit commentaire en dessous de la vidéo. Pour dire que ben voilà, j'avais oublié de mettre le micro en route, c'est pas dramatique. Aujourd'hui, il n'y a pas de micro, j'ai même pas de caméra, j'ai juste mon téléphone et je suis ici pour prendre du plaisir avec Dame Sonia qui vient de faire un petit tour toute seule et avec mon fiston qui a 30 ans, vous vous rendez compte? Voilà, c'est mon grand bonhomme dont je suis fier et on fait une petite balade sur ce lac. Avec Dame Sonia une excellente après-midi au lac des Forges. Vrai n'est-il pas? Tout à fait. C'était vraiment très bien ce lac. Très agréable. Il y a beaucoup d'activités à faire, comme je l'ai dit. De très bonnes glaces. Ah oui, très bonnes glaces. Un bon glacier qui était avec une ancienne camionnette Citroën. Je ne sais plus quelle. C'était une ancienne camionnette. Non, en France, une VW. Non. Donc, ouais. C'était une camionnette Citroën. Vous savez, les toutes vieilles camionnettes. Voilà, les glaces étaient super bonnes.
pas cher du tout en comparaison de chez nous. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Voilà, donc on a passé une excellente après-midi, ce n'est vraiment pas loin, nous sommes ici chez Sonia, c'est de chez Sonia, c'est une heure de route à peu près je pense, ouais. Si on va, par l'autre côté, voilà, c'est une grosse heure de route, donc franchement c'est bien, on peut se mettre à l'eau comme on veut. Sur le chemin du retour, alors que mon fils conduisait la voiture, j'ai vu un commentaire qui débarquait, je vous mets ce commentaire à l'écran, l'adage dit... « Don't feed the troll », c'est-à-dire ne pas alimenter la polémique, en gros. Sauf que ce commentaire d'un parfait imbécile était, ou d'une parfaite imbécile, hein, était abject, je vais dire, et qu'il nous a particulièrement choqués, Sonia et moi. Quand j'ai commencé à parler de vélo électrique, j'ai bien précisé que Sonia souffrait d'une maladie qui est rare, qui est le SED, syndrome d'Ehlers-Danlos. Et donc... Il n'est pas question pour elle de pouvoir faire du vélo musculaire, je vais dire. Et quand j'ai fait la vidéo concernant le kayak, c'est la dernière vidéo qui a été publiée, si je ne m'abuse, j'ai également reprécisé que l'état de santé de Sonia ne permettait pas qu'elle pagaie, notamment. Et que ben moi, pagayer pour deux en plein soleil, ça ne m'intéresse que moyennement, et je n'en ai pas la force de toute façon. Le truc du moment pour ceux qui veulent faire une activité physique sans se servir de leur corps, ben, ni Sonia ni moi ne cherchons à faire une activité physique à tout prix, comme tous ces gens qu'on voit avec le sac Basic Fit sur le dos et qui se croient très intelligents parce qu'ils font une activité sportive. Eh bien, tant mieux si eux, ils peuvent. Mais cher monsieur ou chère madame, je vous invite... sérieusement à brancher votre cerveau sur une assistance électrique, ça le fera peut-être fonctionner un petit peu mieux, et vous ouvrez internet, vous allez sur Google et vous tapez syndrome d'Ehlers-Danlos avec le H dans Ehlers, c'est le nom de deux médecins, et vous verrez que ce n'est pas évident du tout, entre autres problèmes de santé induits par cette maladie pour Sonia. Ce sont des douleurs, elle m'a fait la liste donc je vais vous la lire, ce sont des douleurs musculaires H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ce sont des escaliers difficilement praticables pour elle. Donc, deux volées de 10 escaliers, c'est déjà beaucoup. C'est l'impossibilité de marcher longtemps. Quand je dis marcher longtemps, c'est plus de 30 minutes. Ce sont des déchirements de la gaine musculaire, des subluxations doigts, genoux, épaules, des blépharites antérieures infectieuses, une inflammation permanente des articulations, des problèmes vasculaires, un déboîtement de la mâchoire. Sonia a subi 18 opérations suite à des lâchages musculaires en 11 ans, de nombreuses fausses couches, des migraines ophtalmiques, un manque d'appétit, une fatigue chronique, un mauvais sommeil non réparateur, du diabète, des problèmes de reins, des problèmes de cholestérol, des problèmes de foie, des problèmes d'hormones, des troubles de l'attention, et j'en passe et des meilleurs. La liste est longue. Alors, pauvre connard qui a écrit ce commentaire, nous vous emmerdons tous les deux, j'espère que c'est bien clair, et quitte à être flemmard, autant l'être jusqu'au bout, nous sommes peut-être beaucoup moins flemmards que vous. Voilà, j'espère que le message est bien passé. Vous êtes de toute façon bloqués. Allez mettre du pouce rouge sur toutes les vidéos passées ou sur toutes les vidéos à venir. Peu manchot, ça ne changera pas grand-chose. Mais je tenais vraiment à passer ce message. Donc, il existe un moteur électrique pour le kayak. Oui, j'ai acheté le moteur électrique pour le kayak parce que ça agrémente notre plaisir d'aller sur l'eau sans que ça pose de problèmes physiques ou sans que Sonia doive rester une semaine au lit après avoir pagayé pendant une heure sur de l'eau. Voilà, tout simplement. Donc, fermez-la, monsieur ou madame. Voilà. Désolé pour les autres abonnés qui sont dans leur toute grande majorité, je dirais bien à 99,99%, cette communauté est très bienveillante. Voilà, on a parfois un connard, alors ça ne valait peut-être pas la peine, me direz-vous, d'en parler, mais je voulais quand même, comme ça a été choquant pour nous, je voulais quand même mentionner cela et mettre les choses au point une bonne fois pour toutes. Voilà, je vous remercie de votre bonne attention, je vous dis à la prochaine, et d'ici là... Prenez grand soin de vous. Voilà. Salut.